le 22 mai 2022, Guy Marchand a fêté son 85e anniversaire. Acteur légendaire de sa génération, celui-ci est, désormais, seul après que son épouse a décidé de refaire sa vie. Découvrez-en davantage sur la vie du comédien. Guy Marchand filait le parfait amour avec une certaine Adelina jusque, à ce que celle-ci décide de le quitter. Heureusement, elle, acteur, a pu compter sur le soutien de son fils, qui est retourné vivre chez son papa afin de l'aider dans son quotidien. Guy Marchand est tombé amoureux d'Adelina, de 40 ans, sa cadette acteur, mais également, musicien, Guy Marchantaine, et plus à presenter. C'est, et surtout grâce à son rôle dans la célèbre fiction, Degré Nestor Bruma, plus ou moins que le comédien a pu atteindre une certaine notoriété dans le monde du cinéma. Guy Marchand et sa femme Adelina Kamaganova. Photo, Getty Images MS, il est connu par rapport à sa carrière professionnelle, celui-ci se particularise également pour sa passion pour les femmes. Guy Marchand est tombé amoureux plus d'elle, une fois, et Adelina fait partie de celles qui ont marqué sa vie à jamais. Elle, acteur, avait rencontré cette belle sibérienne, de 40 ans sa cadette, il y a plusieurs années et vite tombe sous son charme. Ils se sont, alors, mis en couple malgré leur difference d'âge, âgés ont, par la suite, décide de passer à la vitesse supérieure. Le comédien S était, en effet, marié à la belle Brune en 2006. Marchand et sa femme Adelina Kamaganova. Photo, Getty Images. Toutefois, malgré leur union, le couple N a pas vécu sous le même toit puisque, à elle, époque, Adelina faisait des va-et-vient entre Berlin, France et Russie. Situation qui ne semble pas déranger elle, acteur, D, après ses propos. Degré, elle ne va pas vivre tous les jours avec un vieillard. Et moi je me vis comme un CELI, droit d'auteur bas, droit d'auteur terre amour, droit d'auteur re. Je retrouve ma femme, et chaque fois je lui refais la cour, plus ou moins confiait-il à ce sujet. Marchand et sa femme Adelina Kamaganova. Photo, Getty Images. Mais si Guy Marchand paraissait comble aux côtes de la jeune femme, celle-ci a fini par quitter elle, acteur, des années plus tard. Adelina a laissé Guy Marchand tout seul, elle a reconstruit sa vie à l'étranger alors que, elle filait le parfait amour aux côtes de Guy Marchand, Adelina a, un jour, décide de partir et laisser tout seul elle, acteur. Cependant, malgré cette separation, le couple N, a jamais signé les papiers du divorce et même reste en contact, bien que la belle Brune ait reconstruit sa vie. Guy Marchand sur le plateau de Vivement Dimanche. Getty Images. En effet, si Adelina a décidé de partir de chez son mari, c'est, et pour aller vivre à Berlin, Allemagne, où elle a fait la rencontre des autres hommes. La mannequin a même eu des enfants que Guy semble beaucoup apprécier. Degré est la droite à autre chose, j'adore ses enfants. Ah, je ne pouvais pas lui en faire, plus ou moins a-t-il dit. Guy Marchand et sa femme Adelina. Photo, Getty Images. Malgré cette separation, Guy Marchand porte toujours autant d'affection pour sa femme, à en croire ses propos auprès de Gala. Et quand je vais la chercher à la gare, je la regarde arriver vers moi. Elle me serre contre elle, comme si c'était le premier jour. Est invraisemblable. C'est, et jusque, à la mort entre nous, plus ou moins raconte-t-il. Marchand et sa femme Adelina lors d'un concert d'Henri Salvador à Paris, France, en novembre 1982. Photo, Getty Images. Elle, acteur, et son épouse, qui habite loin elle,
Un de elle, autre, S, appelle notamment souvent et passe des moments ensemble quand ils en ont, elle, occasion. Et si le comédien est conscient que sa femme, degré N, est plus à lui, plus ou moins il est hors de question qu'il se remarie à nouveau. Parce que c'est, et la seule que j'y, aime, plus ou moins a-t-il dit clair. Les chanteurs Franck et Guy Marchand et son épouse Adeline Appose en arrivant à la cérémonie d'ouverture. Photo. J'ai fait image liée aussi. Guy Marchand, 84 ans, se part d'Adelina. Il n'a pas pu lui faire d'enfant à 84 ans. Après des années de carrière fructueuse, Guy Marchand se dit fauche degré Nestor Burma, plus ou moins mais également degré Toumou Souris, plus ou moins degré Otémoidé, un doute, plus ou moins mon corps, degré Mortel Randonny. Plus ou moins telles sont les fictions dans lesquelles on a pu cependant, le voir. S, il a pu très bien gagner sa vie grâce à tous ses films, elle, acteur avait révélé l'opéra du Parisien, en 2021, il se trouvait, degré fauche, plus ou moins elle, âge de 84 ans. Problèmes financiers qui ont poussé le comédien à ne pas arrêter de tourner malgré sa prise des, âges. Marchant lors d'un point de presse. J'ai dit image pourtant, en interprétant, degré Nestor Burma, plus ou moins Guy Marchand à gagne, degré beaucoup des, argent, plus ou moins selon lui, mais il elle, a deux penses. Degré les chevaux. Nature. Aime vivre largement, plus ou moins a-t-il ajouté. Et donc en jouant des roses dans les films que elle, acteur parvient à subvenir à ses besoins ces dernières années. Toutefois, il ne cache pas que le salaire qu'il reçoit n'est pas grandiose comparé à des autres célébrités du cinéma. Je n'ai pas eu de salaire de star. Je suis un touriste, plus ou moins a-t-il confié. Lors du festival de Cannes 2007, photo call after him au palais des festivals à Cannes, France. Photo. J'ai dit image Guy Marchand se retrouve sans argent et tout seul, son fils est le seul à s'occuper de lui quitte par sa femme et rencontrant des problèmes financiers, Guy Marchand a pu compter sur le soutien de ses enfants. Information. Celui qui est né le 22 mai 1937, a deux enfants prénommés Jules et Ludivine. Que leur mère N est autre que elle, ex-épouse de Guy, Béatrice Châtelier. Jean très discret, elle, acteur évoque tout de même ses enfants avec fierté lorsque, il en a elle, occasion. Et, une de ses interviews, par exemple, Guy Marchand avait fait part de son admiration envers sa fille Ludivine. Être belle, comme son père elle, a dit, la fille du comédien est également intelligente et travaille comme avocate. Guy Marchand se produit en direct au petit journal Montparnasse le 17 mai 2011 à Paris. Oh, j'ai dit image de son cote, le fils de Guy Marchand, Jules, lui, a suivi les pas de son papa. Effet. Celui-ci travaille également dans le monde du cinéma et nul doute qu'il rend aussi fier son père, tout comme sa S-droit d'auteur. Très proche de son papa, Jules a tenu à retourner vivre avec lui pour elle, aider au quotidien. Rappelons que le comédien avoue avoir un état de santé, degré fragile, plus ou moins. Ainsi, afin de veiller sur son papa, Jules a décidé de revenir vivre au Vaucluse, où se trouve la maison du comédien. Sans lui, je ne pourrais plus jouer. Les enfants, c'est la vérité, eux vous aiment comme vous êtes, plus ou moins a-t-il dit clair. Lire aussi.
J'avais des fils à élever. Gérard Lanvin, malgré des problèmes d'argent, a préféré sa famille à sa carrière pour plus d'actualité. Abonnez-vous à Amour Mama sur Google News.